que ces 3 jours d'atelier avaient pour objectif de renforcer les capacités des acteurs sur l'approche sur les solutions fondées sur la nature. À cet effet, en amont de la rencontre, il avait été demandé à toutes les structures de soumettre les idées du projet. Donc, ces idées de projet, on en a eu 8 au total. Donc, lors des 3 jours de l'atelier, le premier jour, c'était la formation sur le concept et ses critères. Donc, les deux derniers jours ont été consacrés aux travaux du groupe. On a formé des groupes de travail et chaque groupe a travaillé sur 2 idées du projet pour améliorer, afin de les harmoniser avec les solutions fondées sur la nature pour que ces idées de projet soient bancables. Tous ces projets, la finalité, c'est promouvoir le développement et le bien-être des populations. Je suis satisfaite parce que je n'avais pas pris connaissance de cette approche. Maintenant, je suis qu'est-ce que c'est que l'approche, je suis les critères et maintenant, dans les perspectives, on doit tenir compte de ça pour monter les projets pour qu'ils soient bancables. Je remercie en premier lieu notre ministre, le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, M. Lamine Sebou Traoré, le directeur national de l'hydraulique, M. Boukoum, et l'ABV, l'UCN, GWP, et tous les participants, parce que tous les participants ont été assidus.